Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. Comme vous le savez, c'est une joie tout le temps pour moi de vous recevoir ici et de partager avec vous mes connaissances de l'oracle du Petit Lenormand. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Alexandre Musrug, je suis auteur, créateur d'oracles. J'ai de nombreux livres sur le sujet du Petit Lenormand et je fais aussi beaucoup de vidéos pour aider les gens à comprendre et à maîtriser l'art d'interpréter l'oracle du Petit Lenormand. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une deuxième série de vidéos sur le corps humain, sur la santé, avec l'oracle du Petit Lenormand. Comme vous avez pu le voir lors de la première, on a quand même pas mal de détails intéressants avec les cartes, et les cartes peuvent tout faire. Elles peuvent nous parler de la santé, comme parler de l'amour, comme parler de notre étape financier. Mais on va commencer à nous concentrer vraiment sur l'aspect santé. Et bien sûr, si vous êtes intéressé à avoir beaucoup plus de détails, par exemple sur le Petit Lenormand, sur les sujets d'argent ou sur les sujets amoureux, dites-le-moi, on pourra peut-être envisager de faire une nouvelle série sur ce sujet. Je le répète encore une fois, le tirage divinatoire ne remplace pas les conseils avisés de votre médecin. D'accord? Elles peuvent vous aider à avoir des détails, des clarifications, mais le diagnostic médical reste nécessaire quand il s'agit d'un problème de santé. Ne l'oubliez pas. Alors, sans perdre de temps, je vous invite à la table de voyance où nous allons décortiquer l'oracle du Petit Lenormand et faire cette deuxième série d'interprétations liées à la santé et au corps humain. Alors, bienvenue dans cette deuxième série de vidéos. Et là, nous sommes à la carte numéro 7 jusqu'à la carte numéro 12. Donc, nous commençons avec le serpent. Le serpent, c'est une carte qui représente les intestins. Ça représente aussi le côlon. On va dire que ça représente la tuyauterie de l'organisme. Donc, dépendant des cartes qui vont sortir avec elle, on va savoir s'il y a un problème au niveau de cette partie du corps, d'accord? Et j'ai déjà vu aussi dans certains cas où le serpent apparaissait comme un parasite, apparaissait comme un ver, on va dire. Donc, il faut quand même regarder cette carte avec attention. Donc, le serpent, c'est l'intestin en général, et le cercueil, lui, c'est le gros intestin. Il va représenter le gros intestin, il va représenter l'anus. D'accord? Donc, avec les cartes qui sont autour, on va savoir si, par exemple, avec la fosse, il y aura une opération. Si on va couper cela. Ou sinon, elles vont continuer à fleurir et à grossir. Donc, ça dépendra aussi. Une carte toute seule, comme vous le savez, avec le Petit Lenormand, ne veut rien dire. Alors, le bouquet de fleurs, lui, va représenter le visage. D'accord? Ça va représenter le visage. Ça va représenter aussi les yeux, parce que c'est avec les yeux qu'on regarde la beauté et qu'on admire un bouquet. D'accord? Donc, la faux va représenter la bouche, va représenter la dentition, mais aussi la mâchoire. D'accord? Donc, les cartes qui vont sortir après vont vous décrire un peu de quel problème affecte votre bouche ou la mâchoire ou la dentition, et aussi qu'est-ce qui pourrait être envisagé comme solution. La carte numéro 11, c'est la carte qu'on appelle le fouet, mais l'ancien nom de cette carte, c'est aussi la verge. Donc, sans aucune surprise, vous allez constater que la verge est une carte qui va être associée avec le pénis, d'accord? Et il va aussi être associé au tendon et aussi aux muscles, parce que c'est avec beaucoup de force qu'on utilise un fouet, d'accord? C'est quand même difficile à manœuvrer, et pour la faire claquer, il faut beaucoup de force et il faut aussi beaucoup de dextérité. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici de muscles, qu'on parle aussi de tendons. La dernière carte pour aujourd'hui, c'est la carte des oiseaux. Donc, les oiseaux, c'est la carte qui va représenter la gorge, ça va représenter les cordes vocales, mais aussi les nerfs, d'accord? Et
Comme je vous l'ai dit, les cartes qui sont autour vont décrire un peu qu'est-ce qui aide ou qu'est-ce qui n'aide pas cette partie du corps ou cette maladie à guérir et qu'est-ce qui pourrait aussi participer à son augmentation. Alors, pour le tirage de cette semaine, je vais utiliser mon énigmatique Petit Lenormand pour voir un peu ce que la semaine a en réserve pour vous. D'accord, je vais faire trois tas de cartes et vous allez bien sûr choisir entre le premier, le deuxième ou le troisième. Donc, on a des cartes qui sont tombées, on a l'anneau et on a la croix. Alors, une alliance difficile, une alliance dangereuse ou une alliance pénible. Donc, on va voir un peu ce que les cartes ont pour vous. Je fais une petite coupe. Voilà, et je vais tirer trois cartes. Trois tas de cartes pour vous. Concentrez-vous sur votre question pendant que je vous tire ces cartes. Et aussi, poser une question que je pourrais répondre par oui ou par non. Voilà. On a notre petit tas de cartes. J'ai fait de la place. Voilà. Alors, nous commençons par le premier tas et nous ouvrons les cartes. Alors, nous avons le chien, l'ours et la cigogne. Donc, on continue un peu dans cette énergie de la semaine dernière où les choses continuent à évoluer avec la cigogne. Les choses prennent une tournure positive. C'est surtout, ça peut aussi concerner les finances, ça peut aussi concerner une promotion au travail avec l'ours et la cigogne, une promotion au niveau du travail. Et avec le chien, on est protégé. Donc la semaine dernière aussi, je crois qu'on avait un tirage où le chien était apparu et où le chien montrait un peu ce, comment dire, montrait un peu cette protection qu'on ne devait pas avoir peur que les choses iraient bien. Donc, des alliances fructueuses, une association, je dirais plutôt pas une alliance, mais une association fructueuse, des sommes d'argent arrivent. Il y a de la promotion dans l'air, les choses ne peuvent qu'aller mieux avec la cigogne. Et pour répondre à votre question par oui ou par non, par peut-être, la réponse c'est un oui. C'est un oui. L'ours, elle est positive, le chien positif et la cigogne, elle est aussi positive. Donc il y a une évolution, il y a quelque chose de pas mal qui se produit pour vous cette semaine. En tout cas, les énergies, elles sont belles, elles sont très puissantes. Donc on ouvre les cartes. Pour le deuxième tas, on retrouve encore un peu les mêmes cartes que la semaine dernière. La semaine dernière, je crois qu'il y avait l'arbre, qu'il y avait la maison aussi, il y avait aussi le vaisseau, si je me souviens. Donc ici, on voit encore qu'il y a une transition qui s'effectue. Ce n'est pas un départ, pour moi, c'est plus trouver sa maison, trouver la place qu'on appelle chez soi, qu'on appelle maison, et on va s'ancrer dans cet endroit, avec l'arbre qui ne bouge pas, qui reste fixe, c'est un peu les racines. C'est peut-être aussi voyager vers ses racines, voyager vers ses origines. Donc pour moi, cette semaine, il y a des belles choses qui vont se passer, il y a des beaux changements, il y a retour aux sources, il y a aussi de l'argent, bien sûr, qui va rentrer dans la maison. Donc deuxième tas de cartes qui confirme une entrée d'argent. Ça peut être aussi un héritage dépendant de votre contexte de vie. Mais les choses évoluent bien et pour vous répondre par oui ou par non, la réponse, elle est oui. Alors, troisième tas de cartes. Nous avons ici le trèfle, l'anneau et le serpent.
Alors ici, on voit que il y a une alliance qui se fait, un partenariat qui se fait avec une femme brune, bien sûr la dame de trèfle. C'est aussi peut-être une alliance un peu dangereuse. On sait qu'on va, comment dire, qu'on va se mettre avec quelqu'un qui est peut-être un danger pour nous, qui n'a pas le cœur vraiment pur, le cœur vraiment ouvert envers nous. Mais on dirait que vous voulez tenter votre chance avec le trèfle. Donc, soyez très prudent avec vos associations, avec vos signatures, avec vos décisions cette semaine, car le serpent, regardez, elle guette la bague, elle guette ce qui est précieux. Et juste à côté de la bague, on a le trèfle de la chance, le trèfle de l'opportunité. Donc, attention qu'elle cherche une opportunité à se saisir en se faufilant à travers l'anneau pour attraper votre chance. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut s'immiscer dans votre vie, s'immiscer dans votre couple. Faites très, très, très attention cette semaine aux personnes qui ont ce genre de comportement avec vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu beaucoup plus de lumière encore et une meilleure compréhension des cartes. Et que le tirage de la semaine vous a aiguillé un peu sur l'énergie actuelle qui vous entoure et aussi sur les circonstances auxquelles vous devez faire face pendant cette semaine. Je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir à bord où chaque semaine nous voyageons au pays du Petit Lenormand. Mettez-moi aussi un petit pouce bleu, c'est très important car ça aidera les autres personnes qui cherchent les vidéos du Petit Lenormand dans les moteurs de recherche. Ça permettra à la vidéo d'apparaître et bien sûr d'aider d'autres personnes comme vous qui sont passionnés par l'art de l'interprétation du Petit Lenormand. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.